Dans cette vidéo, nous allons voir quelques solutions si votre logiciel Premiere Pro est lent. Pour ce faire, rendez-vous dans le logiciel. Donc, première méthode, vous allez vous rendre dans Édition, Préférences. Ici, vous allez sélectionner Cache de médias. Puis vous allez retirer les fichiers en mémoire cache. Donc le fait de supprimer les fichiers en mémoire cache qui sont anciens ou inutilisés vous permet de conserver des performances optimales. Donc pour ce faire, vous cliquez sur supprimer et ici vous cliquez sur OK. Une fois terminé, la deuxième manière est d'aller dans mémoire juste ici. Puis vous allez diminuer la RAM réservée pour les autres applications et donc la RAM disponible pour Premiere Pro va augmenter. Par exemple ici j'ai 13 Go qui peuvent servir à Premiere Pro et j'ai 3 Go qui peuvent servir pour les autres applications. Vous cliquez ensuite sur OK. Puis troisième méthode consiste à faire un rendu de votre vidéo. Donc pour ce faire, vous allez sélectionner la partie de votre montage où vous souhaitez faire le rendu. Vous allez ensuite dans séquence et vous sélectionnez rendu de l'entrée à la sortie. Il y aura un temps de chargement, puis ici vous pouvez voir que la timeline est passée en verte, ce qui indique qu'il y a eu un rendu fait par Premiere Pro. Et donc toutes ces manières vont permettre de rendre votre logiciel plus fluide pour ainsi faire vos montages plus rapidement. Et voilà, n'hésitez pas à nous donner d'autres idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en une minute.